non, 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 non à Sabine. Je te dis non, non, non. Ne me fais plus ce que tu m'as fait la dernière fois. À savoir, étaler publiquement nos problèmes. Moi, je fais ça. Mais quand? Où? Quand je t'ai trouvé sur ta ville. Quand je t'ai trouvé sur ta ville. Est-ce que j'ai colporté la nouvelle partout? J'aurais bien pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai choisi le silence et la discrétion pour protéger notre foyer. Le foyer, Sabina. Le foyer, c'est... C'est quelque chose d'intime. Ce qui s'y passe ne doit pas filtrer au dehors, n'importe comment. Mais en quoi est-ce que j'ai exposé mon foyer? Ouais. Ton attitude de dimanche dernier. Ce n'est pas toi-même qui as choisi de ne pas aller au culte. Et maintenant, tout le monde sait qu'il y a des problèmes dans notre foyer, dans notre couple. C'était flagrant. Tu sais combien de gens sont venus me voir pour me demander si tu étais malade. Ou alors s'il y avait quelque chose de particulier. Hein? Mais avant que je ne refuse d'aller au culte, les gens savaient qu'on avait des problèmes, non? Mais il n'y avait que des soupçons à ce moment-là. Or là, maintenant, mais maintenant, ils en ont la confirmation. Mais où est le problème? Où est le problème? Quand les gens veulent dire des choses, ils vont toujours trouver à dire. Hein? Et moi, je ne vais pas calquer ma vie sur le fait que les gens peuvent dire ceci, ou vont penser cela, ou peuvent se mettre à soupçonner ceci ou cela. Non, moi, je ne veux plus vivre comme ça. Je suis fatiguée de vivre dans l'hypocrisie. Pourquoi? Hypocrisie. C'est toi qui oses traiter les autres d'hypocrites. Tu n'as même pas honte à Sabina. Non, Sabina. Ne me fais pas rire. Ne me fais pas rire. Toutes les manigances que tu as faites dans ton histoire avec ta fille, c'était quoi? Tu veux vraiment savoir? Oui! Tu veux vraiment savoir? Oui! J'appelle ça exactement comme tu appelles ce que tu fais lorsque tu vas dimanche à l'église prêcher la parole de Dieu avec dans ton cœur l'intention ferme de tuer quelqu'un. Voilà! Voilà, je le savais! Voilà, je le savais! Tout ce que madame a peur, c'est de perdre son amant. Voilà! Et pour ne pas perdre ton amant, tu choisis de manifester publiquement, de me montrer du doigt, de me salir comme tu fais. Sabina, je te le dis. Sache que tant que tu restes ici comme ma femme, tu dois te conformer à la ligne de conduite que je trace dans cette maison. Et la ligne de conduite que je trace dans cette maison, c'est que tu me respectes. Même si tu es même incapable de te respecter toi-même. Sabine, je vais revenir plus tard. Apporte-tu pas ou assois-toi.
pas, il n'y a pas de problème. On avait juste un petit truc à régler là. Ça va, on peut bavarder, ça va. Comment ça va là-bas? Ça va un peu. Est-ce que tu sais que ta fille a copieusement battu Bernadette? De l'autre côté là-bas, Martina a pris les petits habits de Nestor. Elle a jeté dehors. Le catéchiste Zibialor et sa femme. Je ne te dis pas. Que des choses un peu de temps. N'est-ce pas? Au fait, il paraît que Nestor là est allé habiter chez sa nouvelle femme, la Meng, à Bizan. Ah bon? Pourvu que ça dure. Ton problème est où là-dedans? Elle n'est pas la première. Elle ne sera certainement pas la dernière. Comme tu dis, de toute façon, il trouvera toujours là où loger. C'est quand même un guérisseur. N'est-ce pas? Moi-même, je veux le voir avant qu'on ne le répudie encore et qu'il n'aille habiter très loin. Je vais un peu lui amener mes pieds-ci. Ça, il y a quoi, pieds? Eh, Marie. Les pieds-ci ne me laissent pas tranquille. Je dis que quand ça commence, hein, je ne peux même pas les poser par terre comme je le fais maintenant. Ouais. Tellement c'est gonflé et ça fait mal. Mais va à l'hôpital. Hé, Marie, laisse tomber. C'est un vieux problème. J'ai déjà tout essayé. Je te dis, dernièrement encore, quelqu'un m'a soufflé d'aller voir un peu à l'indigène. Il fallait que j'ai traversé quelque chose qu'on m'a posé sur le chemin du champ. Ouais. Je te dis, c'est donc pour ça que je veux le voir. J'ai quand même entendu dire qu'il est assez bon. Oui, les gens qui l'ont déjà soufflé disent qu'il est assez satisfaisant. Ok. Je vais le voir. Même quand monsieur Engan ne veut rien entendre. Ok. Ce sont quand même mes pieds qui souffrent. Et non les siens. Il ne veut pas que tu y ailles. Pourquoi? Oh, Marie. Il n'aime pas qu'on est là. Tous les guérisseurs même d'ailleurs. Ils disent qu'ils sont très dangereux. Ils disent qu'ils soignent. Alors qu'ils sont là seulement pour séduire les femmes des autres. Ah, Engan. Donc lui aussi il a peur qu'on séduise sa femme. C'est toujours comme ça, non? Celui qui embête le plus des autres a toujours très peur qu'on l'embête. Mm-hmm. Tu dis que moi j'irai. Je vais le voir. Appelle chou. Ok, Marie. Bonjour à vous tout. Ah, Marie les nato. Elles te vont à merveille. Mais, ta fille. Hein? Engan est où? Okay, non, ne me fais pas ça. Si un gamin est là-dedans, dis-lui de sortir. Je suis venu partager ce petit nectar avec lui. Où est-il donc? Un gamin est parti très tôt ce matin. Pratiquement à l'aube. C'est vrai ça? Il m'a dit qu'il avait un coup de main à te donner. Et en plein après-midi comme ça, tu me dis que tu ne l'as même pas aperçu. Il est donc allé où? Ok.